L'Asian Handicap, ou en français l'handicap asiatique, est un type de pari souvent négligé par la plupart des parieurs, surtout amateurs, car il peut paraître assez complexe à comprendre. Pourtant, il est extrêmement simple, avec les bonnes explications, de maîtriser totalement cette méthode pour parier. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de handicap asiatique, et dans quelques minutes, vous serez en mesure de tous les comprendre et de les utiliser dans vos paris sportifs. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir accès à tous mes pronostics 100% gratuitement, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram Suspicious Game. Le canal est totalement gratuit, il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de groupe privé, il n'y en aura jamais. Donc si vous voulez rejoindre le canal et la communauté, je vous mets le lien directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors commençons par le plus facile, le handicap 0. Alors c'est un handicap que vous pouvez retrouver sur les bookmakers français, sur les bookmakers ANJ, en l'occurrence ici Winamax. Et il est très simple à comprendre puisqu'ici en l'occurrence c'est le même pari que si vous placiez un pari drone au bet, un pari DNB, c'est-à-dire un pari remboursé si nul. Donc si je parie par exemple ici sur ce match Hongrie-Suisse et que je souhaite parier sur Hongrie handicap 0 à la mi-temps, ici c'est un handicap à la mi-temps, mi-temps et quart de but, ça signifie tout simplement que la Hongrie doit gagner à la mi-temps et que je serai remboursé s'il y a match nul à la mi-temps. Pareil ici, même procédé pour la Suisse doit gagner à la mi-temps et en cas de match nul, je serai remboursé. Et d'ailleurs, on voit que le handicap 0 pour la Hongrie est de 2 et que le handicap 0 de la Suisse est de 1,54. Et si je cherche le pari drone au bet, donc le pari remboursé à la mi-temps, voilà, j'ai le pari ici mi-temps vainqueur remboursé si nul, vous voyez que c'est exactement les mêmes cotes. J'ai une cote de 2 pour la Hongrie remboursé si nul et une cote de 1,54 pour la Suisse remboursé si nul. Donc ce sont exactement les mêmes cotes puisque c'est le même pari. Donc le handicap 0, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, on a les handicaps moins 1, plus 1, moins 2, plus 2. Alors avec cet handicap, ici par exemple, je suis sur PS3838, le meilleur bookmaker du monde, puisque ce type de handicap est rarement proposé sur les bookmakers français. En fait, avec cet handicap, on retire des buts à une équipe sur le résultat final. Ici, c'est comme si la France partait avec un but en moins dans le match. Et ce pari, il est plutôt assez simple à comprendre, en fait, puisque pour que le pari soit gagnant, ici, il faut que la France gagne par 2 buts d'écart, mais si la France ne gagne que par 1 but d'écart, le pari est remboursé. En fait, lorsque vous additionnez le handicap avec le résultat final, et que vous obtenez un match nul, votre pari est alors remboursé. Donc par exemple ici, c'est comme si l'Autriche partait avec le score de 1-0, démarrait le match avec 1-0, et donc si la France marque un but, il y a 1-1, donc match nul, et donc le pari est remboursé. Par contre, si la France gagne 2-0, le pari sera alors gagnant. Et c'est exactement pareil dans l'autre sens, on a le pari Autriche plus 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si l'Autriche perd par un but d'écart, le pari est remboursé, c'est-à-dire que l'Autriche a le droit de perdre par un but d'écart, et vous serez remboursé. Par contre, si l'Autriche perd par 2 buts d'écart, le pari sera alors perdant. Et s'il y a match nul, si par exemple dans le match Autriche-France il y a 0-0 ou 1-1, votre pari sera gagnant. Donc c'est un peu comme un double chance. Ici, c'est comme si vous souhaitez jouer Autriche ou nul. Donc un double chance sur l'Autriche. Mais il y a une sécurité supplémentaire puisque si l'Autriche perd quand même par 1 but d'écart, vous serez remboursé. Donc ce pari, le pari plus 1, peut être intéressant à parier dans certains cas de figure. Et c'est exactement le même procédé avec les moins 2 plus 2. Ici, donc j'ai France moins 2 avec une belle cote de 3,33. Ça signifie que la France doit gagner par 3 buts d'écart, mais que si la France gagne par seulement 2 buts d'écart, je serai remboursé. Donc encore une fois, c'est comme si l'Autriche démarrait le match avec 2 buts d'avance, comme si l'Autriche partait avec un score de 2-0, et que la France avait 2 buts à rattraper. Si elle arrive à rattraper ses 2 buts, je suis remboursé. Et si elle en met 3, si elle gagne par 3 buts d'écart, le pari est alors gagnant. Et même principe pour l'Autriche plus 2, si la France gagne par seulement 2 buts d'écart, je suis remboursé. Si la France ne gagne que par un but d'écart, fait match nul ou perd, le pari est gagnant. Et ce type de pari ne sera perdant que si la France gagne par 3 buts d'écart ou plus. Donc voilà pour les handicaps moins 1, plus 1, plus 2, moins 2. Ils sont assez simples à comprendre également. Alors ensuite, on a les handicaps asiatiques un peu plus classiques, les plus 0,5, plus 1,5, moins 0,5, moins 1,5. Alors cette fois-ci, avec ce type d'handicap, il ne peut pas y avoir d'égalité. Soit votre pari est gagnant, soit il est perdant. Votre pari ne sera jamais remboursé. Et vous pouvez retrouver ce type d'handicap sur les bookmakers ANJ, sur les bookmakers français. Je suis encore sur Winamax ici. Donc par exemple ici, je parie sur France moins 1,5. Ça veut dire tout simplement que la France doit gagner par 2 buts d'écart. Et si elle ne gagne pas par 2 buts d'écart ou plus, le pari sera perdant. Donc c'est simple. La France gagne par 2 buts d'écart ou plus, le pari est gagnant. Elle ne gagne pas par 2 buts d'écart ou plus, le pari est perdant. Il n'y a pas de remboursé. Et ici, avec Autriche plus 1,5, c'est pareil. Ça veut dire que l'Autriche doit gagner
faire match nul ou perdre avec un but d'écart maximum. Donc si l'Autriche gagne, fait match nul ou perd avec un but d'écart, le pari est gagnant. Et si elle perd avec deux buts d'écart ou plus, le pari sera perdant. Donc voilà pour ce handicap, vraiment rien de compliqué. Et pour terminer, on va parler des handicaps asiatiques partagés. Donc en l'occurrence, les handicaps plus 0,25, plus 0,75, moins 0,25, moins 0,75. Et c'est clairement l'handicap qui est peut-être le plus compliqué à comprendre pour les novices. Puisqu'ici, votre mise va être divisée sur deux paris distincts. Par exemple, ici, je parie sur la France moins 0,75. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon pari va être divisé en deux paris. Je vais avoir un pari sur le handicap moins 0,5 de la France. Donc, moins 0,5, ça veut dire que la France doit gagner. Ici, par exemple, France moins 0,5, c'est la cote de la victoire de la France. Donc, moins 0,5, c'est la victoire de la France. Plus 0,5 pour l'Autriche, ça veut dire Autriche ou match nul. Donc, c'est le double chance. Donc, en fait, si je parie sur la France moins 0,75, je vais avoir la moitié de ma mise qui va être placée sur le handicap moins 0,5, donc la victoire. Et je vais avoir également la moitié de ma mise qui va être placée sur le handicap moins 1. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça handicap moins 0,75, puisque c'est un handicap partagé avec une moitié de mise sur le moins 0,5 et une moitié de mise sur le handicap moins 1. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Imaginons que la France gagne 1-0. Eh bien, je vais remporter la moitié de mon pari. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je mise 100€ sur la France moins 0,75, mon pari va être divisé en deux, donc je vais avoir 50€ qui vont être placés sur le handicap moins 0,5 et 50€ qui vont être placés sur le handicap moins 1. Et bien si la France gagne 1-0, je vais avoir mes 50€ qui vont être gagnés sur le handicap moins 0,5, donc je vais remporter la moitié de mon pari, et les 50€ qui ont été placés sur l'handicap moins 1 vont m'être remboursés, puisque l'handicap moins 1, si la France gagne 1-0, le pari m'est remboursé. Donc pour que le pari France moins 0,75 soit totalement gagné, il faut que la France gagne 2-0 et je remporterai la cote de 1,523. Donc j'espère que c'est assez clair, ce type d'handicap est pas simple à comprendre à premier abord, mais pour que ce soit bien clair, je vous mettrai en fin de vidéo un tableau récapitulatif avec tous les Asian Handicap que vous pourrez prendre en photo, vous pourrez mettre sur pause, vous pourrez le screen, et comme ça vous aurez ce tableau toujours devant les yeux. Alors on va parler du handicap plus 0,25. Ici j'ai sélectionné le handicap plus 0,25 sur l'Autriche. Qu'est-ce que ça signifie? Bah une nouvelle fois, mon pari va être placé en deux paris différents. Donc si je mets 100€ sur ce handicap, je vais avoir 50€ qui vont être placés sur le handicap 0 pour l'Autriche. Donc handicap 0, je rappelle, c'est le pari Autriche remboursé si nul. Et je vais avoir 50€ qui vont être placés sur l'handicap plus 0,5 de l'Autriche. Donc le handicap plus 0,5, c'est le double chance Autriche ou match nul. Donc ici, pour remporter totalement le pari, il faut que l'Autriche gagne le match pour que je gagne à la fois mon handicap 0 et à la fois mon handicap plus 0,5. Par contre, si l'Autriche fait match nul, par exemple s'il y a 0-0 dans ce match, mes 50€ sur l'Autriche handicap 0, donc remboursé si nul, vont m'être remboursés, donc je vais récupérer mes 50€, et mes 50€ sur l'Autriche plus 0,5, donc Autriche ou match nul, vont être gagnés. Donc je vous mets ici un petit tableau récapitulatif de tous les Asian Handicap, je vous invite vraiment à le prendre en photo, à le screenshot, à l'enregistrer sur votre ordinateur, comme ça vous ne serez pas perdu. Vous avez le récapitulatif complet, par exemple ici on a l'handicap plus 1, donc on voit que si je parie sur le résultat plus, donc si l'équipe gagne ou fait match nul, j'obtiens un gain. Si l'équipe perd de 1 but, je suis remboursé. Si l'équipe perd de 2 buts ou plus, j'ai perdu. Donc le tableau est vraiment assez simple à comprendre. Je vous l'affiche encore quelques secondes à l'écran. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris toutes mes explications ou si vous avez encore des difficultés avec l'Asian Handicap. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds absolument tous les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez avoir accès à tous mes pronostics, je vous invite à rejoindre le canal Suspicious Game. Il est totalement gratuit, je vous mets le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.